Ça veut dire, on fait tout ce qu'on fait, ce qu'on veut, quoi. Après, on va dire, on est pour les mots. On est contre les mots d'État. Ouais. Pourquoi ça qu'on fait très fort. Cette personne, on a enlevé les 12 inscriptions, on a laissé seulement une inscription. Et cette personne ne devrait pas plus figurer sur la liste électorale pour 3 ans. C'est ça? C'est ça. Mais cette personne, on va lui supprimer 12 et il ne gagnera qu'une seule inscription. Mais en réalité, il reste toujours en possession des 13 cartes d'électeurs. On ne lui a pas repris les cartes. Et qui vous dit que cette personne ne va pas voter le jour venu 13 fois? Peut-être pas cette fois-ci, mais en 2025. Eh oui. Je crois qu'on doit s'alarmer sur ce qui se passe dans notre pays. Il ne faut pas que ceux qui s'en alarment sont régionalistes. Non, ceux qui ont des couilles et qui disent voilà, là c'est mauvais, on dit non. On dit non. Non. Il faut s'alarmer de ce qui se passe. Le pouvoir fait ce qu'il veut. N'applique surtout pas la loi. Tous les jours, le pouvoir viole la loi. Et vous le savez, tous les jours. Mais j'ai l'impression que des fois, on ne sert pas. Peut-être qu'on est fatigué, ou bien on a une attitude défaitiste, et on dit, bon, ceux-là, ils le font, qu'est-ce qu'ils... Le pouvoir s'en fout. Donc, il faut relever les violations de la loi. Vous savez, là, je vais sortir un peu. Bon, je vais revenir rapidement.